Shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Ce matin, nous sommes réunis dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur de nos âmes et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. En unisson de cœur avec nos anges et avec toute la milice céleste, les saints à qui nous vouons un amour particulier. Mais en ce matin, nous voulons tout particulièrement associer les deux pères, nos deux pères de la foi, les colonnes de l'Église. Je parle de Saint Pierre et de Saint Paul, des apôtres, un exemple de foi. Et en ce matin, au travers d'eux, il est question de foi, il est question de témoignage, il est question de faire la volonté de notre Seigneur, il est question d'envoi, il est question de mission. La foi qui nous appelle à œuvrer pour Dieu, à œuvrer pour le prochain. La foi qui nous appelle à témoigner de la grandeur de notre Dieu, témoigner de son amour comme l'ont fait Saint Pierre et Saint Paul. La foi qui nous amène en mission, mission pour les malades, mission pour l'Église, mission pour le prochain. La foi qui est tout simplement un envoi. La foi témoignée de l'espérance de toute chose qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce matin, bien-aimé de Dieu, je veux tout simplement t'inviter de là où tu es. Tout simplement dire à Dieu en ce matin, par l'intercession de Saint Pierre et de Saint Paul, dire tout simplement à Dieu que tu veux être un témoin fidèle de sa parole, un témoin fidèle au travers de ta foi. Ta foi, la foi, c'est-à-dire Dieu nous demande tout simplement de croire sans avoir vu, de croire tout simplement aux choses que nous déposons au devant de lui, de croire tout simplement que ces choses-là arriveront certainement dans nos vies. Nos pères de la foi l'ont fait, pourquoi pas nous? Nos pères de la foi ont témoigné, pourquoi pas nous? Nos pères de la foi sont allés, ils ont donné leur vie pour tout un chacun, pour Dieu, mais aussi pour nous. Ils nous ont montré la voie, l'exemple à suivre. Alors pourquoi pas toi? En ce matin, une occasion encore te t'est donnée de pouvoir élever la voix et de dire à Dieu, je veux tout simplement être un témoin fidèle de ta parole, un témoin de ton amour, un témoin de ta grandeur, au-delà des grâces et des bénédictions que tu peux déverser dans ma vie. Je veux aussi témoigner comme ces apôtres-là, témoigner comme ces disciples. Je veux faire ta volonté, simplement faire la volonté de Dieu dans ma vie. Voilà la prière que nous voulons adresser en ce matin à notre Seigneur. Alors de là où tu es, je veux tout simplement t'inviter à faire de ce cantique-là une prière. Une prière que tu adresses à Dieu. Yeah.
Te servir comme nos pères de la foi, je veux tout simplement faire ta volonté. Je veux tout simplement être une âme obéissante à tes préceptes et à tes désirs. Je veux tout simplement être cette âme-là qui va aller témoigner de tes hauts faits. Je veux être cette âme-là qui va parler au travers de sa foi. De la foi qu'elle a en toi, de la foi qu'elle a mis en toi, parce que c'est en toi seul que j'ai confiance, parce que tu es celui en qui je crois, tu es celui en qui j'ai mis toute ma confiance, tu es celui en qui j'ai tout reposé. Voilà pourquoi tout simplement, Seigneur, je veux qu'en ce matin, tu puisses agréer à cette prière que nous faisons monter de nos âmes. Nous voulons tout simplement faire ta volonté. Tout simplement ta volonté. Voici mon cœur, voici mon âme, voici mes pensées, je te les soumets afin que ta volonté se fasse dans ma vie et au travers de ma vie pour le prochain. Alors bien-aimé, c'est dans cet élan et dans cette atmosphère de prière, de joie, d'abandon, que je te souhaite de passer une excellente journée, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.